Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, en tes mains, je remets l'année qui est passée. Je te remercie car elle a été une pluie d'occasions où je t'ai rencontré et où j'ai pu me réaliser en tant que personne. Je sais que tu porteras un regard plein de miséricorde sur mes erreurs et sur mes torts. Entre tes mains, je mets cette nouvelle année qui commence. Toi qui demeures au-delà du temps et de l'espace, je sais bien que tu resteras auprès de moi à jamais. Aide-moi à découvrir ta présence partout et en tout. Augmente ma foi. Accorde-moi la force et la persévérance dans tes épreuves. Je veux garder à l'esprit que jamais rien ne m'arrivera qui ne puisse être surpassé avec ta présence à mes côtés. Seigneur, pour chaque jour qui m'est donné de vivre, fais que je cherche ce qui est bon à tes yeux et qui apporte le bonheur à tous ceux qui partagent ma vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne année. Bonjour à tous, ici les gens du CDR qui sommes avec vous pour discuter de la gestion du stress pendant les examens. Nous allons vous présenter une série de capsules tout au long de la semaine qui vont porter sur différents sujets par rapport au stress et à la gestion de celui-ci pendant les examens. Alors, on va commencer aujourd'hui avec certaines informations importantes pour les examens parce que vous le savez, pour être moins stressé, il faut être bien informé. Alors, je vous rappelle des petites choses par rapport à l'horaire. Si on regarde l'horaire, vous savez que les examens vont commencer le vendredi 19 janvier. On va commencer avec le bloc A, puis on va enchaîner chaque jour avec le prochain bloc. Puis, jeudi, c'est une journée réservée pour les reprises. Et puis, si jamais il y a une journée de neige pendant ces journées. Et puis, le vendredi, à la joie de tous, nous avons une journée pédagogique avant de commencer le deuxième semestre. Pour l'horaire de la journée, l'entrée en classe est à 8h10, mais les examens vont commencer à 8h30. Les premiers départs autorisés vont être à 9h30, donc vous devez rester une heure dans votre examen. Puis après votre examen, vous pouvez soit quitter l'école, aller étudier à la maison, mais vous pouvez rester aussi si vous voulez attendre votre autobus ou juste étudier dans un endroit. Donc, vous pouvez aller étudier à l'agora ou aller étudier à la cafétéria. Maintenant, je vais juste faire un petit rappel que ceux qui veulent écrire leur examen au CDA, c'est important d'en parler à votre enseignante ressource ou enseignant ressource, ou vous pouvez en parler directement à vos enseignants en salle de classe. Maintenant, je veux faire quelques rappels des stratégies d'études qu'on avait déjà vues l'an passé, parce que pour être moins stressé, il faut être bien préparé. On avait vu l'an passé que c'est important de bien se préparer pour ses examens, donc de ne pas attendre à la dernière minute. Préparer un horaire d'études, c'est une très, très bonne idée. Et aussi, utiliser différentes stratégies d'études. On avait vu différentes catégories, donc par exemple, qu'on peut refaire des tests, réécrire les notes importantes, compléter des exercices de révision. Mais aussi, c'est important d'essayer de varier nos stratégies, donc utiliser la collaboration avec les autres, utiliser des systèmes d'organisation comme des post-it, faire des tableaux de diagrammes. Et même, il y en a qui aiment utiliser leur créativité, donc inventer des chansons, inventer des histoires ou créer des dessins. On voulait vous faire un rappel que pour réduire le stress, c'est important d'étudier à l'avance, de ne pas se prendre à la dernière minute parce que c'est là que le stress peut monter. Si jamais vous avez besoin d'aide avec vos techniques d'études, n'hésitez pas à venir nous voir au CDR où vous pouvez aussi en parler à vos enseignants. Alors, on vous souhaite une belle journée puis on se retrouve demain pour la deuxième capsule. Merci beaucoup.